Star People et notre page People au top. Jean-Paul Gaultier voit le secours de Nabila. Le couturier français a peut-être quelques défauts, mais aussi et surtout un grand cœur et une solidarité à toute épreuve. Attaqué par un critique de mode pour avoir fait défiler la nouvelle star de la télé-réalité lors de la dernière Fashion Week, le couturier n'a pas hésité à riposter via les réseaux sociaux. Le 3 juillet dernier, le célèbre couturier français proposait sa nouvelle collection de haute couture dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Un défilé très attendu puisque l'enfant terrible de la mode avait défrayé la chronique en recrutant la nouvelle star de la télé-réalité, Nabila. Inconnue il y a encore quelques mois, la bimbo était donc la guest star du défilé, ce qui n'a pas été du goût de tout le monde, notamment du critique de mode Tim Blanks. Ce dernier a vivement critiqué la jeune femme, n'hésitant pas à dire que celle-ci donnait au défilé une ardeur rutilante et bas de gamme. Il n'en fallait pas moins pour que Jean-Paul Gaultier le tacle à son tour, l'invitant à revoir son histoire de la mode au lieu de venir s'ennuyer à ses défilés et de rappeler aux critiques que le célèbre millefeuille de mousseline ne faisait pas écho à Saint-Laurent, mais plutôt inspiré par une robe Minariti de 1967. Le team que je connaissais auparavant n'aurait jamais fait d'attaque plus personnelle que professionnelle, a-t-il tweeté. Bref, vous l'aurez compris, une nouvelle querelle de spécialistes. Affaire à suivre.